Qui était vraiment Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République turque? À l'heure où la Turquie frappe à la porte de l'Union européenne, portrait de celui qui a conduit son pays à devenir l'État laïque que nous connaissons aujourd'hui. Images d'archives et analyses d'historiens reviennent sur la construction d'un mythe qui subsiste encore. Mustafa Kemal Atatürk, naissance d'une république, c'est sur Public Sénat.